Et voilà, un homme heureux, toujours la banane. Et là, il a de quoi, c'est son troisième grand cross de Pau, mesdames et messieurs, Clément Lefebvre, avec Hip Hop Conti, dont il était tenant du titre. Clément, ton émotion de remporter cette grande épreuve pour la troisième année et la deuxième consécutive avec un cheval avec qui tu vis des grands moments là. Bon, la même émotion que lorsqu'on gagne un grand prix. C'est vraiment, que ce soit le premier ou le troisième grand cross de Pau, c'est toujours le même kiff. Plus quand vous montez des chevaux aussi talentueux dans une course où tous les chevaux se valent un petit peu, ça a été, je pense, un très beau spectacle. En tout cas, moi, en tant que jockey, j'ai vraiment beaucoup kiffé, vraiment énormément kiffé, pardon. Je pense que pour le public ici présent et en masse, ça a été vraiment le top et c'est génial. C'est ça que les courses ont besoin. Je te confirme, nous, on s'est vraiment régalé de l'autre côté de la tribune. Et puis, ça vient, c'est la cerise sur le gâteau de tout un travail de l'ombre qui a été magnifiquement orchestré tout au long de l'année dernière, 2023, et aussi début d'année 2024, par toute l'équipe. Vraiment, la préparation pour amener le cheval au top ce jour-ci, elle a été parfaite. Oui, exactement. Derrière toute victoire, il y a un énorme travail de l'ombre, encore plus sur des chevaux de cross et de long terme, puisqu'il faut les faire vieillir. Il faut bien, enfin voilà, bravo à toute l'équipe, à son entraîneur, son propriétaire, enfin à toute l'équipe. Et voilà, c'est génial. Ça nous fait plaisir de t'avoir gagné un grand cross, parce que l'an dernier, pour le Francier en joueur challenge, t'étais cassé, t'étais sur la touche. Le grand cross de Cran, j'en parle pas, je veux pas remuer le carambar dans la carie. Puis là, grand cross de Pau, c'est vraiment pour les jockeys qui aiment le cross, c'est des expériences inoubliables. Pas exactement, c'est les trois grands cross en France, j'ai envie de dire. J'ai gagné l'Ange Loire deux fois, le grand cross de Pau trois fois. On va pas revenir sur Cran, mais j'ai espoir que ça arrive un jour et ça me tient à cœur. En plus, je suis crânais, donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu plus difficile à gagner, mais ça va arriver un jour. Et puis, je vais essayer de gagner encore l'Ange Loire et le grand cross de Pau plusieurs fois si c'est possible. Bah écoute, nous on sera là en tout cas. Merci Clément et grand bravo. We'll be right back.